Tos, 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 tos. Donc, bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Plan Poulet, en compagnie de Sylvain. Salut à tous. Deuxième épisode de... Comment ça s'appelle ? Mario Sunshine. Voilà, Mario Sunshine, pas deuxième épisode oui, non. Tout court. C'est pas le deuxième purement poulet, c'est le deuxième Mario Sunshine avec ma voilà. Participation exceptionnelle. Voilà. Bah, on espère que tu seras là tout le temps. Oh bah oui, avec plaisir. Tout le temps, non, pas tout le temps. Non, je vais m'inscrire. Ah bah t'as un enfoiré, choqué. Donc maintenant on arrive au boss qui apparaît le plus de fois dans le jeu, je crois. Après Mario sombre quand même. Oui, c'est comme ça. C'est un poulet. C'est pas vrai, il apparaît trois fois. C'est un poule. Purement poulpe. Salut à tous, bienvenue dans Purement poulpe. J'adore cette nouvelle série. J'ai même pas compris comment fallait faire pour le tuer. Alors en gros. Vas-y. Ok. Bon, donc en gros, tu sautes sur ces tentacules, ça les écrase, tu les tires, ça les arrache. Et puis ils souffrent. D'accord. T'as failli te prendre une tentacule. Oui. Et quand t'as fini de péter ces tentacules, bah, tu lui tires le nez, ou la bouche, ou je ne sais. Ouais, le truc qu'il a dans la bouche, là, c'est un bouchon. Qu'est-ce qu'il fout, là? Le bouchon, qu'est-ce qu'il fout, là? C'est le verre, as-tu une explication? Bah, sinon, il cracherait pas son eau. Je pense que sous ecstasy, tu peux avoir une explication relativement logique, mais alors là, comme ça... Mais surtout que... Voilà, en plus, il s'est cassé le bouchon, tu l'as pas enlevé. Et alors... Il fait quoi, là? Bah, il recommence. Comme tous les boss, t'as toujours deux phases. Oh, mais c'est horrible. Non, mais en fait, ce boss, il y a moyen de... Les tentacules, t'es pas obligé de lui arracher les quatre. Ah. Ah bon? Ouais. Ouais, si t'arraches que les deux du milieu, ça marche quand même. D'accord, donc Shuka est nul. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que, en fait, quand tu tires ses tentacules, il va te mettre des coups, mais les coups, il les met seulement avec les tentacules du milieu, en fait. Donc si t'arraches les deux du milieu et qu'après tu vas lui tirer son nez, il peut plus rien te faire. Oh. Voilà, donc par exemple, t'aurais pu t'arrêter là et directement aller le... Enfin, il me semble, moi, que j'avais trouvé ça. Ouais, mais en même temps, tu jouais sur le jeu, t'avais 20 FPS. C'est pas vrai. Il va avoir des bugs de collision et tout. C'est un émulateur, il y a des bugs sur les émulateurs. Ouais, c'est pas vrai, Dolphin, je trouve qu'il marche assez bien. Ah ah. Non ? C'est quoi ces yeux là ? Il supporte pas l'eau ? C'est un poulpe ? Non, il supporte pas la propreté. Non, en gros, ses yeux ils sont salés, ils ont besoin de sel pour survivre. Donc du coup, on lui fout de l'eau propre dans la gueule et donc du coup le sel disparaît. D'accord. Ah ouais. T'es parti loin pour chercher cette explication, en tout cas. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est le principe du plan en poulet. Ouais. Et donc, tu vas aller jusqu'où là ? On va finir le deuxième niveau. Enfin, le deuxième monde. Ouh. Oh. Rico. Oh. Oh. Il y avait la musique de Porco Rico. Il y avait pas un coco au début, enfin, je vois. Bah, toutes les musiques de jeu sont assez sympas, en fait. Tu vas devoir faire une course. What a... Ouais, c'est ça. Putain, alors le poulpe, c'est le truc le plus chiant du monde, quoi. Le surf sur le poulpe. T'as jamais joué à F-Zero, toi? rarement. Voilà, bah dès que t'arriveras à contrôler un truc de F-Zero, on en reparlera. Si, F-Zero, c'est quoi? C'était sur NES et ils ont fait une réédition GBA ou je sais pas quoi. Non, pas sur NES, sur 64, pardon. Sur Dreamcast. Oui, il y en avait un sur 64. D'accord. Mais sur Dreamcast. Pas sur Dreamcast, je suis con. Sur GameCube, il y avait un F-Zero. Oui, j'ai essayé. Ouais, j'ai essayé d'y jouer, mais pour le coup, mon ordinateur, il a pas du tout aimé, il a craché. D'accord. Donc, je déteste ces poulpes. Ouais. Comme tout le monde qui a joué à ce jeu, tout le monde déteste les poulpes. Et surtout, le plus chiant, en fait, c'est dans l'étoile des pièces rouges, quand... Bon, tu l'as fait après, de toute façon, quand t'as fini de ramasser les pièces rouges, tu peux pas t'arrêter, et si tu te prends un mur, eh ben, tu crèves.
Et ça, truc le plus chiant du monde, quoi. Bon, en gros, moi, une fois, j'étais en train de choper l'étoile. Mon poulpe, il décide de sauter par-dessus. Il continue, il va foncer dans le mur. Ah putain, truc de merde quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, là, t'as sauté dessus l'étoile. Sérieux. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Wouhou! Je pense que ça arrive à tout le monde de rater les étoiles. Les soleils. Ouais, ta gueule. Pareil. Là, c'est la même merde. Peut-être que les gens diront que non, mais bon. Ouais, donc la technique du saut périolatéral, tu l'utilises tout le temps en fait dans Sunshine. Bah, en même temps, t'as pas le long jump, donc. Ouais, non, c'est, non, enfin, je dis tu, mais c'est un tu général, quoi. T'es obligé D'accord. d'utiliser ce saut-là, quoi. Non, mais vraiment, y a pas d'autre chemin pour y aller là-haut, là-haut? Si, c'est juste que Shuka, c'est pas une petite bite. Ça sert à rien de prendre l'autre chemin. L'autre chemin, il prend 10 minutes, quoi. Ouais, quand même. Bah non, mais c'est pour ça, hein, quand tu disais que tu n'y avais pas joué depuis longtemps, moi, quand je te vois jouer, je me dis, putain, même moi, en l'ayant fini deux fois, j'ai pas ce niveau, quoi. Ouais. Ah, le mec, si tu savais le nombre de vies que j'ai perdu sur ce jeu. Oui, non. Le nombre de conneries comme ça qui m'arrivent. Je peux te poser une question? Ton eau, elle te fait monter à l'infini ou t'as Non, un une endroit où limite. tu stagnes? Tu stagnes et tu tombes. D'accord. En fait, tu montes et tu au bout de genre 10 secondes, ton truc il se coupe tout seul. Donc moi quand j'étais gosse, dans ce trou-là, moi je faisais l'attaque au rodéo comme vous la pêchez vous. Et comme il y a une trappe en bas, bah, je passais au travers. Piège à con. Et t'avais plus qu'à te remonter. Ouais. Super, Ouais. hein? Bon, en gros, ils te font. Ouais, on l'a dit déjà dans le premier épisode, mais ils te font chercher dans tout le niveau, ils te font explorer tout le niveau. Si t'as pas vu un morceau, t'as pas fait tout le niveau. Bah au final, les contrôles de jeu sont assez bien, mais le problème c'est que des fois ils sont pas aussi bien qu'ils devraient l'être. Pas aussi intuitifs que ça. Pardon? Je dis, ils sont pas aussi intuitifs que ils auraient dû être. Non, je sais pas à quel niveau tu dis qu'ils sont pas optimisés. Bah des fois Mario se déplace sans que tu le veuilles, il va un petit peu trop loin ou il va pas assez loin. Ça, c'est Ah parce ouais? que t'es un noob, Shuka. Justifié, Non. je dirais pas ça. Je sais pas, je l'ai fait ni qu'une seule fois, Mario Sunshine. Je crois que ce niveau, c'est celui qui m'a fait rage quit quand j'étais petit. Ouais, clairement. Mais non, là t'arrives du premier coup, c'est sympa. Ah, il arrive T'as du même premier une coup parce vie. qu'il a fait un montage. Mais non. Sauf que, comme quand j'étais gosse, j'ai pas compris que je pouvais switch la caméra. Hein? Parce Dans qu'un. ces... Vas-y. Vas-y, vas-y. Moi, Bah c'est bien plus tard. dans ces niveaux-là... Enfin, pour le coup, là, le passage avec les engrenages, là, sur lesquels t'es, switcher la caméra, c'est un petit peu suicidaire. Oui. C'est après sur les espèces Switcher la caméra? Ouais, tourner la caméra d'angle. C'est ici, Ouais. si tu switches pas la caméra, t'es un peu Ouais, dans la merde. clairement, tu te vautres, quoi. Donc là, il switch pas de caméra, là, je trouve qu'avant l'instant. Ouais, c'est ça. Non, j'ai décidé de la faire à la PGM. Ouais, t'as pas récupéré le truc alors bon. Ah, J'avais pas eu mais on voit besoin. rien. Bah, c'est dur d'évaluer la distance. C'est ça, ouais. T'es un moment ou un autre, t'es obligé de la bouger ta caméra. Oh non! Oh mais vas-y! Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, tu t'es bien récupéré, mais putain, t'as oublié d'appuyer sur le bouton A, quoi, c'est pas possible! C'est ce que je parle. Je sais pas si ça vient de ma waveguard ou si ça vient du jeu en tant que tel, mais des fois le bouton de saut est bon point. D'accord. Ouais, ça se voit. C'est pas cool. C'est assez utile ce truc de balancer de l'eau par terre et de glisser dessus, tu glisses vachement loin.
D'ailleurs, faudra que j'en reparle dans l'autre épisode. De quoi? De ce truc-là. Ouais? Ok. Ouais. Ok. Donc ici, il faut aller rebuter le poulpe. Encore une fois. Ils vont te faire tuer deux fois le même boss dans chaque niveau? Non. Oui. Bah, ce poulpe-là, il apparaît deux fois. Il apparaît pas deux fois dans chaque niveau. Non, d'accord, mais à chaque fois, il y a deux fois le même boss. Je crois qu'il y a certaines exceptions, mais bon. Ah oui, oui, d'accord, je crois. Oui, comme dans le premier monde, il y avait deux fois la Flora Piranha. La Piranha. En gros, dans ce jeu, ils sont vraiment pas fait chier au niveau des soleils. Hein. Oui, oui. T'as deux fois le même boss, t'as deux fois la recharge des pièces rouges. La plupart du temps, t'as deux fois la même mission. Ouais, c'est ce qu'il disait Megam, ouais, la surutilisation des niveaux. Ouais. Et ensuite, en regardant les autres étoiles que je pouvais faire, parce que sinon on n'aurait eu que 8 épisodes, clairement ce jeu, il y a 24 étoiles qui sont consacrées aux pièces bleues. Sachant qu'il faut 10 pièces bleues pour récupérer une étoile. Fais le calcul, Megam. 40 étoiles pour consacrer aux pièces bleues, et il y a... 24 étoiles. Le mec, tu lui as dit, il y a... 240 pièces bleues, non, tu lui as dit, il y a. Si, il y a 240. Non, attends, il y a 24 étoiles à 10 étoiles, à 10 pièces bleues l'étoile, et il a réussi à retenir qu'il y avait 40 étoiles de pièces bleues à 50 pièces bleues l'étoile. T'es balèze, Megam. Je dis pas, t'es balèze. Désolé. Megam. Donc, du coup, il y a 240 pièces bleues divisées dans chaque putain de niveau. Il y a combien de niveaux? Il y en a 8. Il y en a 8 par 8, 240, ça fait 60... Plus la place d'une fille. Ça fait 30. Ça fait 40. 40 pièces bleues dans chaque niveau. 30. 240 divisé par 8, ça fait 30. Oui, t'as raison. Non, mais c'est... Je dis pas, je veux dire, faire chercher des trucs dans les niveaux, c'est pas mal, mais je pense qu'ils auraient dû réduire à 20 le nombre de pièces bleues par niveau, et mettre 20 pièces bleues pour un soleil, quoi. Parce que là, clairement, 24 soleils... Sur 120 soleils au total, c'est trop de recherche. Ça fait beaucoup. Et en plus, des fois, t'as les pièces bleues. Enfin, je sais pas si t'es un petit peu cherché, Shuka, pour les pièces bleues. Mais putain. Oh, des fois, il y en a. C'est, il faut que t'arroses ici, alors que t'as juste aucun indice pour savoir qu'il fallait arroser à cet endroit précis, quoi. Ouais. Bon, surtout des fois, il faut que t'arroses dans un endroit où la caméra veut pas aller. Ah oui. Bah... Tu sais pas quoi, tu t'arroses tout le temps comme ça, t'es sûr peut-être de tomber sur une étoile. Et voici les pièces rouges. C'est parti! Sur cette putain de poulpe. Ouais, enfin bon. Sauf que t'évites vachement bien les obstacles quand même. Hein. Je fais presque aucun saut quand il joue. Ça vient de la pratique, ça. Oui, tu vas réussir à récupérer toutes les pièces. T'as pris combien d'essais pour faire toutes les pièces rouges, là? Ici, 4 au maximum, je crois. Bon, ça va, c'est pas si difficile que ça à contrôler, alors, le foot. Je crois que je vais faire un épisode de spécial compilation fail. Ouais, ça peut être... Ouais, ça peut être marrant. La toute première fois que j'ai joué au jeu, je suis arrivé sur cette étoile. Enfin, tu dis que c'est facile à prendre en main. Je crois que je suis mort 15 fois, franchement. Ah. Ah ouais, non, parce que regarde, tu vois, le poulpe, il va à une certaine vitesse dans l'eau, et quand tu sautes, en fait, il ralentit vachement. Ce qui fait que c'est pas du tout intuitif de sauter très proche d'une pièce rouge qui est en l'air. Et du coup, ça te ruine absolument tout ce que tu veux faire, quoi. Et ça, c'est le moment où tu envoies le jeu se faire chier, parce que du coup, tu vois l'étoile, t'es concentré, tu vas foncer dans le mur. Clairement. Ouais, mais faut prendre cette pièce-là en premier, alors. Ça pourrait aider. Parce que du coup, tu suis pas le tracé, et donc du coup... Tu te perds, ouais. Et là, si tu loupes l'étoile, ça fait quoi? Si tu te manges un mur, tu meurs. Si tu loupes l'étoile, après tu peux glisser, retourner dans l'eau, essayer de revenir chercher l'étoile, mais si tu te prends un mur, tu meurs. D'accord. Et voilà, donc déjà tu passes 3 plombes à faire les pièces rouges, et après tu passes 3 plombes à essayer d'aller chercher l'étoile. Je vois. Il est atroce ce jeu.
Oui, d'ailleurs j'ai bien aimé la description dans le premier purement poulet. C'est un jeu sur GameCube qui... Putain, je déteste ce jeu! Donc C'est ici normal. je me fais pas chier, un petit Mario ici il est trop. C'est trop un connard parce que c'est trop dur de le viser. Donc du coup je triche, je le vise de loin. J'avoue, t'as tellement fait ton... ta périprostipatitipute sur celui-là. T'as failli Ah oui. tomber? Alors ça aussi c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est quand tu fonces dans Anti-Mario, il te met un dégât, et toi quand tu le tapes, eh ben, tu lui en mets pas. Enfin quand tu lui fonces dedans. Bah surtout le gros problème avec Anti-Mario, c'est que des fois il se déplace pas ou il a des frames d'invulnérabilité, donc Oui, aussi, oui. En fait, il fait des allers-retours là, Chouka? Bah là il est un peu glitché, ouais. Si j'arrive à le viser. T'as eu du mal à le toucher, hein? Ouais, Mais... de super loin, c'est assez dur. Hein. Il va plus avoir d'eau, le Chouka. Il y a la réserve d'eau est assez conséquente quand même. Il y a un seul niveau secret sur la place Delfino où en fait t'as pas du tout moyen de recharger ton eau et là il faut vraiment jouer stratégiquement pour l'économiser à fond quoi. D'ailleurs, je crois que cette étoile, on va la faire. Je vais aussi faire toutes les étoiles de... tous les soleils à la place Delphine. Ouais. On verra bien. Enfin, presque toutes, parce que les 100 pièces, nope. Parce que quoi? Les pièces, nope. Ah, Les les 100 pièces, oui. pièces. Les 100 pièces de la place Delfino? Oui. Ah, je me souvenais plus qu'il y avait des 100 pièces sur la place. Il a perdu le méchant Mario. Il y a des 100 pièces partout. Il y a des 100 pièces partout. T'as failli louper l'étoile. Ça aurait été beau. C'est des trucs comme ça qu'il faut qui sera dans la vidéo de compilation de Fade. Ouais. Sera amusant. Oh merde, j'ai laissé cette sauvegarde là. C'est pas grave. Si, t'as pas vu, ça a rajouté des 3 minutes à la vidéo. 3 secondes à la vidéo. Ouais, tu sors et tu rentres. C'est trop bien. C'est pas grave, on voit. Oh... Au moins, on Tu voit que vas où tu le fais là? une fois. J'avoue, tu vas où? Bah, je vais au prochain niveau. Ah, bah oui, puisque t'as fini ce niveau-là, ouais. Ah bah c'est pour ça que t'as laissé la sauvegarde. Ah, bah Ouais. oui, ça Flamme tient. des détails. C'est encore Hey, coucou toi, espèce de boss de merde. Ouais, c'est ça, c'est encore le boss de merde à la con là, Voilà. qu'ils ont remis 14 fois. Ils se sont dit, c'est une bonne idée. Tout le monde va les apprécier, ces boss-là. D'autant plus qu'ils sont pas. Enfin, t'en as plusieurs, mais ils sont pas plus durs à chaque fois que tu les affrontes, c'est juste qu'ils sont plus longs. C'est insupportable comme truc. Je crois que c'est la dernière fois qu'on doit l'affronter comme ça. Ouais, lui, ouais. Libère le Favre. Et tu peux passer d'un niveau que t'as, enfin d'un niveau à un autre. Enfin, tu Non, peux il faut... sauter un niveau, non? Tu peux pas. Non, il faut absolument que tu fasses 7 étoiles dans chaque niveau. Pour Pour passer aller au suivant? affronter Boozer. Non, pour aller affronter Boozer, en fait. Oui, non, mais si par exemple tu veux passer au niveau 4 alors que t'as pas fait le niveau 3, tu peux? Oui, dès qu'ils apparaissent sur la map, tu peux y Ouais, aller. c'est ça. D'accord. Sauf pour la Benoki qu'on va voir un peu plus loin, là il faut un certain nombre d'étoiles pour débloquer l'ouverture du monde. Tu Je sais pas vois, combien tu c'est. connais même les noms des trucs, eh ben. Et il y a que 7 mondes à retenir, hein. Enfin Ouais, 8 avec le j'avoue. mont Corona. Mais Ouais, tout de même. oui. Bah, et je connais aussi tous les noms des mondes et presque le nom de toutes les étoiles sur Mario 64. Quel est le nom de forme phallique? De quoi la forme phallique? Ouais. Non. Bon, à tous les cas, Ah, on va c'est se fini. laisser ici. Que Dieu Ouais. vous remercie de nous avoir suivis. Allez vous abonner à Monsieur Sylvain. Ouais, et à Merci. moi aussi, hein, peut-être. Ouais, Non, Mickaël mais comme on aussi. s'en fout. Il fait que de la merde, Fuck. les gars. Va te faire choquer. Donc à la prochaine. Ouais, À la à la prochaine. prochaine, tout le monde.